dans sa petite langue. Waouh, waouh. Comme pour dire, moi aussi je peux lécher. Les tigrous, ils sont comme des gosses. Tout ce que leur mère fait, ils veulent le faire aussi. Tu voudrais lécher ? Bon, mais fais attention avec tes quenottes pointues. 4 bons centimètres. Il lui montre le poing. Attention à ne pas me mordre. Hein ? Si tu me mords, je t'en mets une. Alors il arrive tout pâteau, tout content, fait doucement quand même. Tac. Il se tourne d'un coup et il me met son derrière dans ma figure. Tchim, tchim, tchim. Il léchait, ça me chatouillait sa petite langue. Au bout d'un moment, il m'a mordu le fumier. Aïe, aïe, aïe. J'avais ces deux roustons face à moi. Pouam, pouam. Il fait le geste de donner le coup de poing. Nya. Comme un chat foudroyé, il s'est mis à courir sur le mur du fond de la caverne en tournant. On aurait dit un motard. Nya. Toujours se fait respecter dès le début par les tigres, tant qu'ils sont petits. Depuis ce jour-là, quand il passait près de moi, mon ami, il ne se mettait jamais de profil, il faisait gaffe. Il marchait comme ça, bras et jambes raides, en les croisant alternativement. Il montre le petit tigre qui passe en marchant de travers, attentif à se tenir le plus loin possible et à l'abri d'éventuels coups de poing. Sur... Alors ça s'appelle les didascalies, on les choue pas. À l'abri d'éventuels coups de poing sur les testicules. Bon, la tigresse dormait, le petit s'est endormi et moi aussi je me suis endormie. Cette nuit-là, c'était la première fois que j'ai dormi profondément et tranquille. Je n'avais plus mal à la jambe. Je rêvais que je rentrais chez moi, que la guerre était finie. Ma mère m'attendait sur le pas de la porte, les bras ouverts, et je courais, je me jetais dans ses bras. Elle me serrait dans ses bras, me caressait la tête. On riait, on pleurait. Je dansais avec ma mère, je chantais. Je retrouvais mon amoureuse et on s'embrassait. On faisait l'amour, on faisait l'amour, on faisait l'amour, et au meilleur moment...